qui a jamais pénétré à l'intérieur du rêve, marchant debout dans cette caverne de l'âme, et qu'il nous dise ce qu'il a vu. Car la neige ne va pas sans obscurité. Et l'espace et la distance n'appartiennent pas en propre aux chasseurs dévorés par le temps, ralentis par le froid. Et la raquette la plus rapide et la plus parfaite ne traverse qu'un lac à la fois. Et elle peut bien avoir pris la mauvaise direction. Tandis que le rêve, affranchi des espaces, peut mener le chasseur jusqu'à des pays qu'il n'a pas prévus, imposés par le sommeil ou l'extase. Je sais que quand je vais à Cannes, je sais que je ne suis pas à ma place. Ça me met mal à l'aise. Quand je me retrouve à côté de Serge Gainsbourg, je sais que ça n'a aucun sens. J'ai cru un bout de temps, à l'époque de Pour la suite du monde, que je pouvais faire voir ce que j'avais à faire, mais maintenant j'ai admis que non, j'ai admis que ce que je fais, c'est de l'ordre d'une espèce de recherche. C'est presque des notes que je devrais peut-être utiliser plus tard, des esquisses de quelque chose. Je sais pas très bien comment me définir, mais je sais que je fais pas partie de la croisette, que j'ai rien à voir là, que les gens vont peut-être prêter l'oreille curieusement 5 minutes, mais ils sont pas là pour ça. Donc, moi, je suis pas à ma place. Si le succès était la valeur par laquelle je juge mon travail, évidemment, ou bien je changerais de façon, ou bien j'abandonnerais. Pierre Perrault, bonjour. Merci d'être venu avec nous sur la plage du Grand Hôtel. Vous avez débuté comme écrivain dans Radio-Canada. Ensuite, un premier long métrage avec Michel Brault. Et comment vient l'idée d'un scénario? Il n'y a jamais de scénario. Il n'y a jamais de scénario. C'est la vie qui se scénarise elle-même. Il n'y a pas besoin de moi. Mais alors, vous tournez vos films en improvisant constamment? Parce que c'est pas moi qui improvise, c'est la vie qui improvise. Tu ne devrais jamais projeter des films. C'est toujours un désastre. Hein? Non? Là, vous essayez un autre film. Quoi? Vous faites un essai sur un autre film. Non, non, on a fait la projection, là. C'est la bête lumineuse qui est là. Hein? Oui, oui. Non, il n'y a rien à faire. C'est parce que la première bobine est rayée, j'aurais voulu changer, mais il est trop tard. Non, mais de toute façon, on ne peut pas démarrer. Non, non, l'idée, c'est qu'on a constaté tout à l'heure que la première bobine était réglée. Je vous remercie d'être présent. Tout à fait, dans le propose aujourd'hui le film du réalisateur canadien Pierre Perrault, La bête mauvaise. Merci, bonne projection.
quoi tu es un ornial? C'est pour commencer, tu le suis, tu l'approches, tu l'étudies, tu le traques, puis tu le tires. C'est le même scénario que se reproduit ce soir. Tu te ramasses au camp, puis là, tu arrives, puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'avancer sur quelque chose, puis qui va prendre la parole. Mais tu le laisses aller, puis là, tu lui donnes du corps, puis là, tout le monde s'occupe de son cas. Marche, marche. Je vois pas le moindre petit Stéphane Albert derrière toi. Hey Maurice, il y a des pistes ici. Mais ben c'est ça, les pistes de pierre. Non, des pistes de lièvre. Viens, Stéphane. J'arrive. À cette vitesse-là, Stéphane, tu vas pas rejoindre un lièvre à la course. Non, mais je suis ces pistes. Mes pistes sont plus vite que ça, moi. Regarde. Tu vois, t'es juste là, moi, je cours, je coupe. Ah, oh merde, j'ai perdu ma raquette. Veux-tu que je te couvre? Non. Moi, c'est pas des bonnes raquettes que j'ai prises. Ils sont peut-être mal attelés. Faut pas blâmer ces raquettes. Tu vois, Pierre? Si vous voulez je pas ne marche dans... que dans mes propres pistes. Et moi, je voulais suivre tes pistes. Il dit un grand homme marche dans ses propres pistes. Je dis oui, mais il faut être grand homme, d'abord. Moi, un grand homme marche sur ses raquettes aussi. Effectivement. J'arrive. J'arrive. Il y a exactement 20 ans, on présentait ici en compétition son premier film de long métrage pour la suite du monde, qui avait été quand même assez remarqué, même s'il avait dérouté une partie des spectateurs. Est-ce que pour toi, il y a une suite de pour la suite du monde à La Bête Lumineuse? C'est une question un peu académique, mais... Je pense qu'il y a quelque chose en commun entre les deux films, c'est la bête. Dans un cas, c'était le dauphin blanc, dans le cas de celui-ci, c'est l'orignal. Et il est certain que pour le Québécois, qui est encore assez proche de la nature, par la force des choses, les animaux ont une dimension à travers laquelle, et le Québécois essaie de s'incarner, de se signifier, de se dire. Cannes, le 16 mai 1963. Il est 12h30. Dans la grande salle du palais s'achève la projection du premier long métrage canadien inscrit dans une compétition internationale pour la suite du monde. Les réalisateurs Michel Brault et Pierre Perrault sont dans la salle, attentifs aux réactions de ces spectateurs non prévenus. Il y a une autre ressemblance entre les deux films, c'est que. Il y a beaucoup de gens qui sortent, autant pour la suite du monde qu'à La Bête Lumineuse, mais je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Les gens sortaient et disaient « nous montrer ça à nous, c'est demeurer ». Brault et Perrault me disaient tout à l'heure qu'ils ont été un petit peu déçus de l'accueil fait à leur film. Ils ont été déçus de voir que les gens quittaient la salle. Honnêtement, il faut reconnaître que... que ce genre de film, qu'un film comme celui-là, n'est tout de même pas destiné à une séance qui commence à 11h du soir devant des gens en smoking et en robe du soir. La Bête Lumineuse, ça fait pareil, La Bête Lumineuse, ça a vidé le Festival de Cannes, vide. Il y avait 2000 personnes, c'était le deuxième film dans le Nouveau Palais, deuxième film de... La sélection Un certain regard, ça s'appelle. Un certain regard appartient à la section officielle des films qui sont présentés à Cannes et qui font en pratique le Festival de Cannes. Il y a un comité qui sélectionne tous les films qui voyagent pendant toute l'année en Europe, aux États-Unis et ailleurs, qui sélectionnent un certain nombre de films. Mais ces films-là, justement, représentent essentiellement la quintessence de ce qu'est le pays. Un film canadien qui passe en ce moment représente vraiment le Canada, intrinsèquement le Canada, et ainsi de suite, tous les pays qui sont représentatifs sont sélectionnés dans ce sens-là. Où ça? Ben où? Là. Je peux pas dire.
Bernard. Ah, bon Dieu. Une zone qui a vapeur comme deux sapins. La bête mythique, le panache, oh, la bête lumineuse. Hey, vous êtes des beaux graves, vous autres. Nous autres, on est pas graves, on est comme des boules. Qu'est-ce que ça, ta gueule? Oh, comment de marcher pareil? Tu penses intelligent, toi? L'autre chialait, là. L'autre chialait, il est capable, monsieur. Attention avec ça, toi. On va l'avoir, Calvin. J'ai rien à brailler, mais je vous trouve pas mal. Ce film représente tellement le Canada qu'il est difficile de concevoir cette immensité, ce côté écologique, ce côté pas homme primitif ni homme primaire, mais vraiment homme qui est né au Canada et qui vit au Canada. C'est vraiment purement canadophile et canadien et tout. Bon, à la fin, il y avait 2000 personnes. À la fin, il en restait 500. C'est un maudit beau succès. Nous sommes toujours en direct du Carlton, ici à Cannes, au premier étage sur la terrasse. Dans quelques instants, Pierre Perrault nous parlera de la bête lumineuse. Auparavant, publicité. Pensez à la chicorée le roux moulue. Bien pratique pour tous ceux qui emploient le café moulu. Pensez à la chicorée liquide le roux, 100% pur, que chacun peut sucrer à volonté s'il le désire. Ces deux produits le roux sont aussi deux trésors de bienfaits. Alors, Pierre Perrault, La Bête Lumineuse, c'est salué comme un excellent film, comme un chef-d'œuvre. On vient de me montrer la critique du Monde. C'est un moment unique de cinéma, le dit-on. Le monde peut se tromper. Le monde peut se tromper, mais Pierre Perrault pas. Aussi. Si, je me trompe souvent. Je me suis trompé tout à l'heure en répondant à ta question. Quand tu m'as demandé si j'avais vu le film de Gainsbourg, comme il était à côté de moi, j'ai pas osé dire que j'avais pas du tout envie de le voir. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Pierre Perrault, est-ce que vous avez vu le film de Serge Gainsbourg? Non, j'ai pas vu le film de Serge Gainsbourg parce qu'hier soir, j'étais encore sous l'effet de la projection ratée qu'on avait eue. Alors, je suis pas allé voir le film. Mon métier de journaliste animateur m'oblige à vous poser la question et d'aller plus loin. Pourquoi vous n'avez pas envie de voir le film de Gainsbourg? Parce que moi, je ne vois pas au cinéma. J'aime pas ça voir des films de parade, des films qui essaient de scandaliser. C'est fait pour les enfants, ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a des gens qui ont le droit de s'intéresser à ça. Personnellement, je ne m'intéresse pas à ce genre de cinéma-là. Et d'une certaine façon, je peux dire que je ne m'intéresse même pas au cinéma. Et c'est pour ça que ce que je fais avec une caméra, c'est quelque chose de différent qui n'a peut-être pas sa place tout à fait ici. C'est la cathédrale du cinéma ici. Toutes les idoles sont là, se promènent dans la rue. Et les personnages comme les miens, les personnages de la vie, ils sont condamnés à quoi? À être des spectateurs. Ce sont ces hommes-là qui m'intéressent, des hommes de chair et de sang. Le berger m'intéresse, mais pas Jane Fonda en bergère. Je le sais que le film là est bon. J'ai votre talent. Mon talent, c'est le vôtre. Puis je sais que vous aviez du talent. Maurice, puis Bernard, puis tout le monde, il avait du talent là. Je sais que le film est bon. Sauf que ça ressemble à rien de ce qui se fait dans le cinéma. C'est que les gens sont complètement déroutés. Ça va prendre du temps. Pourquoi je ne serais pas dessus? Je commence à être fatigué de ça. Non, moi, je prends pas de vin, mais c'est... Après 23 ans d'aventure pour la suite du monde, de pour la suite du monde jusqu'à la bête lumineuse. Pour moi, le succès, la réussite, mon bilan, c'est pas un succès de foule, c'est d'avoir réussi à vivre un certain nombre d'aventures, avoir vécu l'île aux Coudes avec les gens de l'île aux Coudes, avoir vécu la bête lumineuse avec les Pocailles de Maniwaki, avoir vécu ce que j'aurais pas pu vivre par mes propres moyens. Si j'avais pas eu le cinéma, j'aurais pas été. Il me semble que j'aurais pas pu me permettre l'aventure que j'ai eue avec vous autres. C'est tout.
Pierre, à ta santé. Que ce soit là, ma santé. À la chasse, hein. À la chasse. À la mienne. À la chasse. Bravo, Stéphane Albert. Cinquième, c'est quand même pas si mal. C'est, pas c'est quand même pas si mal, les conditions où on était, là. Après longue course, et puis ça a été super. Ils sont pas blancs, ils sont mouillés, cette valeur. C'est beau quand c'est blanc. C'est une belle couronne de Noël. Oh, celui-là, il n'a rien fait. Alors, Pierre Perrault, c'est assez curieux quand on lit dans le dossier de presse et quand on entend dans le film, nous allons faire la chasse à l'original. Et finalement, l'original, c'est un peu la quête du Graal, puisqu'ils ne l'atteindront jamais, ils ne la trouveront jamais. Et peut-être que le trouver, c'est pas vraiment le but. Ce qui compte, c'est de chasser. L'original, c'est une fonte de typographie. C'est quoi? C'est l'orignal. Ouais. L'orignal, un mot indien, c'est un mot indien qui désigne le grand élan d'Amérique. L'original et la bête lumineuse sont-ils des notions courantes au Canada ou des éléments de légende ou des éléments de fiction inventés pour ce film? Bon, d'abord, c'est pas l'original comme ça a été écrit dans le monde, mais l'orignal. L'orignal, c'est vraiment un animal, une bête qui est fabuleuse, mais dans la réalité, il n'y a absolument aucune fiction et l'orignal existe. Je ne suis pas un cinéaste de fiction, je ne suis pas un fabricant de films. Je cueille des films. Actuellement, comme un chasseur. Moi, je crois sincèrement que le cinéma que je fais, c'est un cinéma qui cherche à être aux aguets. Et qui, évidemment, à un moment donné, est obligé de prendre une piste. Une piste qui peut être une idée quelconque. Juste en avant, tu fais face à l'impossible, dans une petite hypothèse ridicule, puis tout à coup, il y a le hasard. Et puis tu suis là. C'est comme la chasse. Je donne cet exemple-là parce que j'ai toujours l'impression que quand je fais un film, je suis à la chasse. Il y a des pistes et je me laisse inspirer par des pistes. Puis, au bout, il y a une bête ou il n'y en a pas. Un beau petit chemin de crotte. Puis ça a l'air fou. C'est sec un peu. Il y en a pourtant. Moi, j'ai remarqué quand tu tombes, tu as toujours un sourire. Complice. Un sourire complice. Maintenant, quand ça va bien, tu as un sourire merveilleux. Mais même quand ça va mal, tu as quand même un sourire. Tu as toujours souri en tombant. J'espère toujours quelque chose. Un sourire qui vive. Parce que la chasse, tu attends quelque chose, puis quand tu filmes, quand tu tournes, tu espères. Il y a une espérance, puis ça doit se voir sur ton visage. Mais ça, finalement, c'est la clé de. Ouais. Moi, je pourrais dire ça, non, c'est. On sait pas parce que tu souris que tu vois des lièvres. Non, mais c'est énigmatique. Il y a une énigme. C'est le processus même de la fiction. Moi, je dis que le cinéma que je fais n'existe que si j'ai un peu de chance. Nous autres, on a une technique. On met un micro, on prend une caméra, puis on s'installe dans une situation. Mais c'est la situation qui donne un résultat. C'est pas nous autres, voyons donc. Est-ce que je parle gros vite? Ça va. Il faut que tu apprennes où placer la caméra. Quand tourner. Encore une fois, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, 25 ans que je fais ça, puis je me trompe. Le gars qui ne l'a jamais fait, qui arrive avec le poids de l'équipe technique, le poids des éclairages, tous ces machins-là, il pense à ça, puis il a de la difficulté à trouver la situation favorable. Moi, ça me paraît l'essentiel, et je dis toujours aux gens, faites de la radio, apprenez ce que c'est que la parole, comment elle naît, comment une personne à qui tu parles peut être totalement indifférente, tout à coup devenir lumineuse. Pourquoi? Évidemment, je choisis des personnages qui ont quelque chose à dire, qui ont la faculté de le dire.
je vais pas à la chasse aux poules et aux dindons. Je vais à la chasse à des gibiers de potence, si vous voulez, dans Bêtes lumineuses, mais enfin, des gibiers d'intérêt. Bon, là, c'est eux qui l'ont. Bon, ben, c'est ton initiation après-midi? Ouais, ben. Ouais. Bon. Ah, tu prends ça. Tu mets tes cartouches, tu ouais. fermes. Tu peux marcher de même, si ouais, c'est mieux. Moi, je préfère marcher de même. Tu fermes, mais pour tirer, il faut que tu pousses là-dessus. OK, non, mais je préfère alors... marcher, moi, le canon brisé. OK. OK. Mais ça, là, S, là. Bon, je veux dire, là, que t'as sécurité. Ouais. Si tu fermes, là, là les coups partent. Parfait, pas de problème. OK, il m'a tenir comme ça, tu sais. OK. Oui. On va y battre. Là, là, nous autres, on va organiser une battue un peu plus bas. Là. Allons-y. Tu penses qu'on devrait tirer dessus? Oh, 50-60 pieds, pas beaucoup plus. Mais tu tires en avant quand tu cours, hein? Alors, faut que je tire en avant d'eux autres et puis à terre tout le temps. Bien, à terre, c'est rare les lièvres qui volent, hein? C'est une question un peu idiote que je t'ai posée. Ah, je m'attendais à rien d'autre. Ah, ben écoute, tu sais quand même. Hein? Mais des fois, tu vois un lièvre, il y a des reflets là, dans le bois, puis tu as l'impression d'avoir vu un lièvre, tu peux te tromper. Mais les mouvements, là, ça ne trompe pas beaucoup. Mais ça où, ce goût-là de la chasse? Ce serait peut-être long à expliquer. À force de rencontrer les gens dans ton cinéma? Ou... Oui, probablement, mais mon père aussi. Mon père a toujours fait de la chasse. Puis la chasse, attention, la chasse, c'est pas tuer un animal. La chasse, c'est faire ce qu'on a fait ce matin. Tu es un animal, tu sors, puis tu vas le partager avec les autres, tu vas le raconter. Alors, mon père avait un paquet d'amis, il venait dans l'atelier chez nous, puis le soir, il prenait un petit gin, bien sûr, la génération du petit gin. Puis là, il se racontait des histoires de chasse. Puis il y avait là-dedans des conteurs absolument magnifiques, le père Morel, là. Tous ces gars-là étaient pareils. Ils avaient tous une passion pour la forêt, des histoires folles, des histoires de... Je me souviens d'une merveilleuse histoire, je la trouvais très belle, en tout cas, je peux pas la raconter comme lui. Un gars de la baie, qui, à un moment donné, il s'en va le long d'un chemin, il s'en allait aux îlets. Puis il y avait un cormier, c'est un masquabina. Tu sais ce que c'est qu'un masquabina? Ça donne des fruits, on va les faire, là, tu sais, comme le pain bina. Il y avait un cormier plein de fruits. Puis là-dedans, il y avait 12 perdrix. Ils étaient tout après mangés, tranquillement. Puis là, j'ai commencé par les perdrix du bas. Puis tirer perdrix, deux perdrix, trois perdrix, jusqu'en haut de l'arbre. Tu es 12 perdrix. Il dit, c'est une bonne place. Il dit, l'année suivante, je suis retourné. Il dit, l'arbre était mort. Et ça, c'était ça, là. Le goût du superlatif, tu sais. Viens, Stéphane. Hop! Ouais, merci. Pas dans la neige, c'est plus doux. Comme si je glissais de même par chez lui. T'es bon. T'es bon. Les lois de la gravitation t'ont aidé, mais. Recule un petit peu. Bonne soirée. Stéphane Albert, je sais pas si t'avais été bon pour le suivre. Tu l'as d'un chasseur? Là, on t'a fait une randonnée. Là, on a fait une race. On s'est vidé, là. Vidé. Il n'y en avait plus. J'arrivais sur l'escarpement, là. Il était dans les corps.
Puis là, il n'y avait pas de branche. Ouais. Il est parti en courant, puis il a fait une grande courbe, puis j'ai tiré deux coups. Non, mais ils sont éteints. Je l'ai tué, mais il a continué à courir, à écraser comme s'il nageait dans la neige. Il était superbe. Le vieux chasseur. Ça marche pas. Hein? Arrête donc, là, de la mythologie, moi. Mais c'en est une mythologie, la chasse. Mais non, c'est pas une mythologie. La mythologie, c'est l'invention des gens qui restent assis à côté du poêle puis qui imaginent ce qui se passe dans le poêle. C'est ça, la mythologie. La chasse, c'est de la chasse, c'est pas du tout. Dieu chasseur. Le Dieu chasseur, dans le fond, t'aimes chasser, c'est dans ce sens-là. J'aime chasser, mais... Alors, c'est ma mythologie. C'est encore pire. Si tu travailles tout le temps avec de la viande morte, ben, tu te dis, bah, moi aussi, j'ai le droit d'en tuer. J'ai le droit de faire ma part là-dedans pour voir ce que c'est d'aller ta vie à un moment donné. Parce que toi et tout, tu vas finir par passer au cash. Puis l'automne, c'est la saison où la nature passe au cache. Qu'est-ce de rien? T'as même pas le sens des viscères, sacrement. T'en inventes des viscères à tous les jours, asti. Tu crèves, Christ, ton lapin, tu crèves ton orignal puis ton ours. C'est quoi l'homme pour toi? C'est quoi, Bernard, asti? C'est quoi, c'est qu'une table? C'est même pas, asti, la... C'est même pas l'art de celui qui a fait, Christ. C'est quoi? C'est de l'objet pis c'est du matériel. Qu'est-ce que tu me dis à soi? Puis sais-tu ce que c'est que tu me fais vivre? Oh oui. Tu me fais vivre un moment extrêmement pénible. Toi, la semaine, moi, je l'avais un instant, moi, la semaine. Qu'est-ce que je t'ai fait cette semaine? Rien. Quoi? Tu n'as rien fait. Comment j'ai rien fait? Tu rien fait, Albert. En tout cas. Ah ouais, camionnette. Non. Tu veux dire, j'espère que tu m'en veux pas. Ah, mort. C'est mieux le tour, quoi. Si vous n'êtes pas trop découragé, on peut répondre à quelques questions. Je sais qu'il est très tard. Il fait beau dehors, il fait doux. Difficile, hein? Est-ce que tu te rends compte de l'effet que ça fait dans l'âme de la personne que tu filmes d'être filmé? Parce que ça nous a tous bouleversés. Stéphane a été bouleversé pendant longtemps. Moi aussi. Ça prend longtemps, ce... Dans un pays sans mon sens? Ah oui. Ben, j'ai refusé de me voir, d'abord. Quand je me suis vu, je pouvais pas m'accepter comme ça. Ça, c'est pas vrai. Souviens-toi. Oh oui, je sais qu'il y a des choses atténuantes. S'il y a une foule dans la salle, ça aide, mais ça peut être contraire aussi. Je sais pertinemment que l'image de soi-même est toujours décevante. Maintenant, ce que tu as dit dans la bête, dans Un pays sans bon sens ou dans La bête lumineuse, ce que Stéphane Albert a dit, il l'a dit. C'est lui. Et ça, ben, ça, vous êtes, encore une fois, c'est mon témoignage qui est en jeu. Moi, par affection pour ces gens-là, je cherche à rendre exactement l'essentiel de ce qui s'est passé et à rendre le plus possible justice aux gens. J'avertis tout de suite qu'il y a des séquences, il y a des moments où les gens font des bêtises inutilement, qui ne leur rendent pas justice et à mon avis, ces parties-là ne font pas, ne doivent pas faire partie du film. Je les élimine. Le drame de l'image, puis je me souviens de l'histoire de Stéphane Albert, c'est-à-dire que nous, on l'aimait, mais il a fait rire de lui par ses copains. Mais il fait rire de lui par ses copains tous les jours. Sauf que... J'exagère un petit peu, ben, disons, mais souvent. Mais faire rire de soi, c'est rien. Mais faire rire de son image, c'est épouvantable. Il faut s'entendre. D'abord, je te corrige. Je veux dire, ça dépend des situations. On fait rire de soi dépendamment des situations dans lesquelles on se trouve.
C'est sûr qu'à la chasse, étant pas chasseur, je peux faire rire de moi, t'sais. Mais je veux dire, dans mon milieu de travail, oui. Je ne fais pas rire de moi, tu comprends-tu? Monsieur, hein? C'est plus joli, hein? C'est là qu'on va voir. T'as pas l'impression qu'on a déjà vécu quelque chose comme ça? Oui, je le dis. Regarde-moi là, je suis pogné, tu vois. Mon gros Stéphane. Hey, dis, je cale avec mes mots. Silence qu'il nous disait. Imagine-toi. On est allé à la chasse aujourd'hui. Ouais, t'as été le premier à rire de toi du fait que t'étais pas chasseur. Ce qui arrive, c'est que le problème qu'on vit profondément quand on se voit, c'est qu'on est proposé comme modèle. Quand je vis mon émotion d'une façon passionnée, je veux dire, c'est pas... Je veux pas l'imposer aux autres. Mais forcément, le fait de... d'être, comment je pourrais dire, de choisir ces plans-là puis de les mettre dans un film, mais c'est un modèle. En tout cas, les gens le lisent comme un modèle puis ils rejettent ce modèle-là ou ils le prennent. OK? Mais c'est ça qu'il faut vivre. Mon procédé, c'est d'essayer de raconter ce que j'ai vu. C'est évidemment ma version des faits, mais à cette version des faits-là, on peut dire qu'elle ne provient pas d'un oui-dire. C'est eux qui parlent. Oui, mais on est désavantagé par rapport aux comédiens de fiction dans le sens suivant, c'est que lui peut choisir son rôle et peut choisir finalement le modèle qu'on va proposer de lui. Et il peut mourir sur... Tandis que nous autres, mais finalement, on reste... Tant qu'on est là, OK? C'est fini, je veux dire, je suis pour bien des gens qui me verront jamais, qui me connaîtront jamais, je suis celui qui plume un lièvre et qui... Pardonnez-moi l'expression. L'euphémiste. Il plume son nom. Qui vomit. OK? Il plume son nom. C'est pas une question de dédain, c'est... Ah, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai le dédain, finalement. Je sais pas. Les gars, le mène dans le sein, c'est pas pourquoi il y a le dédain. Qu'est-ce qu'il a, là? Non, non, sois pas malade, là. Non, non. Ouais, il m'a plumé, mais regarde, c'est pas ton âge, c'est ton lapin, faut que tu plumes. Tant qu'à plumer, bien mon tour. Mais je reste pour bien des gens que je verrai jamais dans ma vie, je reste ça. L'homme, il va pas. Maudit plumage. Qui ne se soucie pas de son image dans une vie? Je veux dire, tu te regardes dans le miroir des fois avant d'aller travailler ou je sais pas, tu te peignes, etc. Mais c'est la même chose. Sauf que moi, là, je peux plus me repeigner. L'image est là, puis quand ça vient de se faire, ils vont... Pas... Oui. Mais... Mais Pierre a quand même eu le... Par contre, tu reprends ce soir, tu reviens et tu sais que tu es filmé. Donc, tu laisses cette... Non, mais je reviens, ben bon, par amitié pour Pierre. Ben oui. J'aime son cinéma, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas, j'ai pas dit... Ah oh, non, je ne regrette pas, moi non plus. Du tout. Je fais simplement dire par rapport, finalement, au type de cinéma de fiction, ce que ça peut être un personnage dans un film. Tu comprends-tu? On a tous des moments de grande vulnérabilité ou de choses de ce genre, mais si on te filme à un moment où c'est un moment très intense pour toi. Ah oui. C'est dur de le revoir, ce moment intense. Moi, j'essaie de découvrir en chaque homme une inspiration. Quand elle n'est pas là, quand elle tarde à venir, je l'attends même avec la caméra. Et puis, quand elle est arrivée, bon, je supprime ce qui est avant, parce que ça, c'est un pas de travail de griffonnage. Bon, c'est un peu ça, le montage, au fond. C'est pas biffé... quelque chose de vrai, de moins vrai ou de pas vrai, c'est simplement te permettre d'attendre le moment et puis de donner le meilleur moment de l'homme, c'est lui rendre justice. Finalement, on pourrait très bien raconter une toute autre histoire en se servant exactement des mêmes éléments. Le montage tel qu'il est fait là, à mon avis, il introduit, c'est vrai, votre version des choses, mais c'est votre récit. Et en ce sens-là, est-ce que finalement le montage, potentiellement, il n'est pas fictionnel. C'est ça qui me tracasse, parce que moi, tout le reste, je l'admets. Quant au fait que ça change les gens quand ils font un film, je pense que pour les acteurs, c'est la même chose. Hein. Quant à voir qu'est-ce que ça fait sur les gens, ça, c'est un autre problème. Mais moi, entre autres, une expérience que j'ai vécue,
J'ai été voir le film La Bête lumineuse, incognito. Tu t'es habillé en Maurice Chaillot, t'es allé voir le film. Tu t'es mis des verres, comme un acteur. À un moment donné, il y avait quelqu'un en arrière. On voudrait vous annoncer que Stéphane Poulin va être filmé. Je sais pas trop, c'est... Mange du popcorn pendant sa vie. Incognito, hein, tu vois, c'est incognito. Non, mais on fait des blagues, mais face à part, c'est quand même... Oui, j'ai payé en plus. Non, je sais pas si tu m'as pas remboursé après. T'as payé. En tout cas, oui. Je rentre là, je m'assois, puis à un moment donné, tu dis, elle, le poète, en parlant de moi. Il y a un qui dit, Crénorel, lui, poète mon cul, tu sais, commence un dialogue avec l'écran. Je crois que les poètes aiment beaucoup pleurer, moi. Allez. Je me retrouve dans cette salle-là, mais là, c'était un dialogue. Non seulement ça, c'était des commentaires. Comme ceci. Lui, poète mon cul. Et puis? Ça me... C'est pas tous les jours quoi, qu'un homme a la chance de... Tu vois d'incognito. Incognito. Non, c'est pas tous les jours. En tout cas, je l'ai vécu. Évidemment, ça fait... Tu sais, il y a d'autres moments où quand tu vois les gens rire, ben là, ça te regrimpe. Hey, j'étais comme une vague, moi, tu sais. Un bateau, tu sais. C'est incroyable. Je montais, descendais. Tu vois dans le rire ou ouais. Non, c'est évident qu'il y a des côtés fascinants. Il y a d'autres côtés, finalement, qui sont plus pénibles, qui sont plus durs. OK? Mais, je veux dire, je regrette pas, loin de là. Dans tout ça, il y a quand même une petite fatuité personnelle qui est en jeu parce qu'on voudrait bien être soi-disant impeccable. Mais l'intérêt, c'est justement de ne pas l'être impeccable. Pour moi. Pour toi. Pour il s'agit de nous autres, là. Oui, mais vous m'intéressez pas dans la mesure où vous êtes impeccable. Vous m'intéressez dans la mesure où vous êtes vulnérable, donc humain. Ça, c'est bien dit. C'est ça qui est... Autrement, c'est pas la peine. Autrement, je fais de la fiction. Mon Dieu, je ferais des films de cow-boys. Ouais. Ils tirent toujours, puis ils manquent jamais leur coup. Tu devrais t'en faire un avec les autres. Hein, Maurice? Vous foutez ça en cow-boy, tous les deux. Mais... Une rivière arrangée. En tant que spécialiste du lièvre, du lapin, je vais superviser. Mon Dieu, tu prends pas le couteau, toi? Ben non, je trouve un couteau pour faire ça. Vos personnages que vous avez pris dans la vie, ils sont prisonniers de votre récit. Moi, je prétends ne pas faire une manipulation. Je prétends qu'il y a un seul montage possible à mes yeux. On peut manipuler du métrage, évidemment, comme on veut. La seule direction possible, c'est celle que j'ai essayé de définir. C'est une fidélité à ce qui s'est passé, à ce qui s'est produit devant moi, et une fidélité au personnage. Ce qui ne me laisse pas de manœuvre. S'il me laisse la manœuvre pour dire, comment dire? Il ne laisse aucune manœuvre à savoir quoi dire. Je crois à la sincérité de votre témoignage, mais je considère que c'est un témoignage qui, de toute manière, pour moi, ne représente pas forcément l'objectivité du vécu. C'est ça qui me tracasse dans tout ce qui s'est dit là. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je considère que, en tant que spectateur, et pourquoi je serais déformé de ce point de vue-là, je revendique devant vos films mon droit au rêve et à la fiction. Je le revendique. Moi, quand j'ai vu Pour la suite du monde, c'est un film qui m'a fait rêver. Et moi, je ne l'ai pas vu uniquement comme un document. Et tous vos films, d'ailleurs, ça a été pareil. Moi, je sais pas. Enfin, j'ai encore des images des voitures d'eau dans la tête. Et c'est pas parce que c'était un document. C'est parce que dedans, il y avait des choses qui me parlaient du point de vue de mon imaginaire, du point de vue de la fiction. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous l'avez peut-être pas voulu le faire, mais vous l'avez produit sur certains spectateurs. Je fais un cinéma à hauteur d'homme. Il y a toute la terre pour vivre.
Qu'est-ce que c'est que ce besoin de rêver? Je veux bien qu'il existe, mais je voudrais que... Moi, je veux avoir d'autres préoccupations, c'est tout, parce que j'ai plus envie de rêver. J'ai envie de vivre avec des gens en chair et en os. Moi, je voudrais bien que, avoir des baleines volantes dans mes films ou des mammouths, s'il y en avait dans la réalité, si je pouvais y faire face. Mais c'est pas ça l'essentiel, parce que c'est pas ça que je poursuis. Je poursuis la poursuite des hommes et non pas l'objet de leur poursuite. Pour nous, en France, depuis 1962, c'est la première fois où j'ai vu à l'ONF une deux, ou 20 minutes du... Je connaissais Michel Brault, pas encore Pierre, de ce qui s'appelait L'île aux Coudres. C'était la scène de la forge. Alors, on a vu ça au moment du festival, en privé. C'était assez curieux. Puis l'année suivante, le film Pour la suite du monde est venu à Cannes. C'était mémorable, pour diverses raisons, parce que c'est un grand film, et puis parce que ça a dérouté une partie du public, et puis enthousiasmé une autre partie. Ça a été suivi immédiatement, ça se passait au mois de mai, comme toujours Cannes, mai 63, il faut revenir. Et au mois d'août, je me suis retrouvé à Montréal, avec beaucoup de monde, dans la grande salle d'un cinéma qui n'existe plus à Montréal, le Loz, et c'était la première. Ça a été un accueil assez extraordinaire. Alors en plus, c'était un cinéma près des gens, près de la vie réelle, mais en même temps, c'est par la magie du cinéma, ils prennent une dimension mythique, ces personnages. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu Pour la suite du monde. Il y a Grand Louis, il y avait Alexis notamment. Je me rappelle le soir, je me suis trouvé dans la maison Perrault. Là, il y avait ces deux personnages en réalité. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Je ne savais plus très bien où était la réalité, où était la fiction, sauf que je ne comprenais pas très bien Grand Louis qui parlait avec son pur joual, alors qu'Alexis, avec sa voix d'ancêtre, je le comprenais presque intégralement. Pareillement, parce que vous allez m'excuser si vous voulez, mes petits amis, si je prononce les mots de l'ancien français comme je peux, parce que je les lis comme je peux. Vous savez que je prends beaucoup d'instructions, puis plus, il est très difficile à lire. Et pareillement, par que du pays. C'est par ceux. Ben oui, mais il faut le prendre comme je peux, ceux, mais je le prononce comme je peux. Il y a aussi un grand courant des eaux, environ de la dite Isque, comme devant Bordeaux. Ici, l'île contient environ 3 lieues de long et 2 de large. Et une bonne, bonne terre. Quand on parle de une, c'est pour ça que je vous le dis, c'est VNE. Facoudan, je le lis comme je peux, mais seulement que vous l'expliquez. Vous n'avez pas que je marque mon coup là? Et entre autres, il y a plusieurs coudres. Mais, vime plus dur, et pour cela. Et pour cela, on la nomma l'île aux coudres. Le fleuve, c'est quoi? C'est pas rien qu'un endroit pour les touristes, c'est pas rien que joli avec des miroitements puis des couchers de soleil. Non, évidemment, le fleuve, c'est une possession, c'est une relation. Et là, c'est perdu. Il y a un traversier qui appartient au gouvernement, et puis les gens se font même plus de canaux parce qu'ils vont plus sur l'eau. Ils n'ont plus de rapport avec l'eau, ils n'ont que des rapports avec les touristes. Ça veut dire. Oh là là, le vent. Ça, c'est du nord-est. Non, non, c'est du nord-ouest. Mais les touristes viennent pour l'eau, non? Il y a un été. Un petit peu, très peu. Ils viennent de faire une marina, là. C'est artificiel, c'est un rapport artificiel avec le fleuve. Il n'y a plus de relation humaine, personnelle avec le paysage. On a gagné la bataille, complètement. Ouais, mais on a perdu son rôle, en quelque sorte. Je lis un passage dans le livre de Georges Cartier. C'est une trace passée, ça. La pêche à Marsouin est une trace passée et tout. C'est relever des traces. Donc, vous avez fait un œuvre.
qui ressemble un peu à quelqu'un qui lit un livre d'une vieille traque. Vous avez bien vu la traque. Il y a plein de beaux poilus. Pourquoi il n'y avait pas de vent? Ben, on travaillait. Ah oui. On travaillait fort. Tandis que là. Enlevez vos gilets. Oui. Vois-tu pourquoi on a froid? C'est parce qu'on est des touristes. Ça fait rien. Hein? Tu m'avais pas dit qu'il y avait des cheveux blancs? Puis que ça fait ça. C'est l'âge. Je pensais d'arriver avec un beau jeune homme, oui. C'est un petit garçon. Ben, il est plus jeune que moi. Écoute-moi, là. Je pensais d'arriver avec un petit garçon. Tu sais, un petit garçon. Les petits garçons, Alexis, il n'y a plus de petits garçons. Alexis, nous appelait les petits garçons. Les petits garçons? Venez vous asseoir. Pour moi, le Québec, c'est plusieurs fois l'enfance. Mon enfance. D'abord parce que, étant très jeune, j'avais lu beaucoup de littérature sur cette question, et qu'un de mes désirs les plus secrets lorsque j'étais enfant, c'est de connaître ce pays, de voyager dans ce pays, et de connaître les gens du pays, et leur histoire surtout, qui d'une certaine manière nous avait échappé. J'avais la sensation que dans ce pays-là, il y avait un secret que la France avait perdu. Et lorsque j'y suis allé, je n'ai pas été déçu du tout. Lorsque je suis à l'île aux Coudres, par exemple, nous sommes allés là-bas, il n'y a pas trop de différence avec l'expérience que j'ai pu avoir lorsque j'étais jeune. Je suis fils de mariniers, de paysans mariniers qui, pendant longtemps, ont eu leur bateau et qui ont encore leur bateau sur le fleuve. Petit fleuve, la Garonne, grand fleuve, le Saint-Laurent, mais fleuve quand même. Même métier. Les gens, les Tremblés que j'ai connus là-bas avaient eu un métier de marinier qui était celui de mon père et qui est encore celui de mon frère. Et par conséquent, je suis immédiatement en communication avec les gens qui ont vécu ça. Et donc, si vous voulez, ce rapport au monde, ce rapport au fleuve, ce rapport à la nature, ce rapport au travail, je l'ai retrouvé là-bas intact. Et j'ai retrouvé là-bas un peu ce que Pierre Perrault y cherchait. Moi, quand j'avais 30 ans, quand je suis arrivé à l'île aux Coudres, je croyais, parce qu'on me l'avait dit, puis parce que d'autres le croyaient, que le peuple québécois était un peuple, et puis c'est les termes même que j'ai entendus quand j'étais jeune, était un peuple nordique, froid et taciturne. Je suis arrivé à l'île aux Coudres, j'ai rencontré Léopold, j'ai rencontré Grand-Louis, j'ai rencontré Alexis, je me suis aperçu que ces gens-là, ils faisaient honte à Marius. Ils avaient un sens du superlatif absolument extraordinaire et ils n'arrêtaient jamais de parler. Guillaume, t'en rappelles pas, Guillaume, t'en rappelles pas, Guillaume, la fois que je t'ai battu. T'en rappelleras-tu, Guillaume, t'en rappelleras-tu, Guillaume, t'en rappelleras-tu, Guillaume. Je t'ai battu, t'en rappelles pas, Guillaume, t'en rappelles pas, Guillaume, t'en rappelles pas, Guillaume, la fois que je t'ai battu. T'en rappelleras-tu, Guillaume, t'en rappelleras-tu, Guillaume. Je te dis, Guillaume, la fois que je t'ai battu. Rappelle-toi-en, Guillaume, rappelle-toi-en, Guillaume, rappelle-toi-en, Guillaume, la fois que je t'ai battu. Rappelle-toi-en, Guillaume, rappelle-toi-en, Guillaume, rappelle-toi-en, Guillaume, la fois que je t'ai battu. Dépêche-vous, je suis fatigué, rappelle-toi-en, Guillaume, rappelle-toi-en, Guillaume, rappelle-toi-en, Guillaume, la fois que je t'ai battu. S'il y avait une bonne femme à lui, il serait plus ardent. Il est seul, mon gars. On savait s'il y avait une belle créature à côté de lui, là. Bon, il redoublerait, ce bonhomme, là. Quand on... C'est du bien, mes petits-enfants, quand on danse avec une créature, faut absolument... Ça court dans les veines. Ça va partout, faut absolument qu'on... On surmonte la nature. Il n'y a rien de plus plaisant. Il y avait une poésie. Vous, ce qui est arrivé, là, Perrault s'est mis à parler. Alors, c'est
beauté, c'est que tu dis. Ce que t'as constaté à l'âge de 30 ans, toi. Ouais. Mais nous, qui n'avions pas sorti de l'île aux coudes, mon père, on va pas de loin, voilà, tantôt. Mais depuis qu'on vous a rencontré, puis qu'on sort, puis qu'on va en droit au Québec, on trouve les mêmes affaires que t'as trouvées, toi, quand t'es arrivé, que t'as connu Léopold, puis Alexis, puis Grand Louis. On rencontre le même monde. Qu'il y a donc du monde qui sont donc chauds, puis qui sont donc comme nous autres. Partout, il y en avait des pareils c'est à nous sûr, autres. Là. C'était pas une trouvaille que t'avais trouvé là. Il y en avait beaucoup pas chez vous. Ben, c'est par chez nous, ici. Ouais. Mais c'était une trouvaille dans le sens que ce tempérament-là... Oui, Léopold, t'es là partout comme n'importe où. C'était une trouvaille, Léopold, dans le sens où, le, par exemple, le cinéma, les romans, parlaient pas de vous autres, parlaient pas des autres non plus, mais parlaient de gens d'ailleurs, ou de gens qui... surtout, on parlait pas de vous autres. Moi, petit Montréalais, par exemple, quand je suis descendu dans le bas du fleuve, puis je me suis retrouvé à Rimouski, j'ai trouvé un langage... J'ai trouvé une façon de penser qui était autre et que et dont on m'avait pas parlé au collège où j'étais allé. Ouais. Et on m'avait dit, si tu vas en France, souvent le monde parle bien. On m'avait pas dit, si tu vas dans le bas du fleuve ou si tu vas dans Charlevoix, le monde parle bien. Ils vont dire, c'est une bande de Québécois, ils parlent, ils savent pas parler. Lui a contribué à faire réaliser que on parlait à l'île aux coudes, on parlait bien. Mais ce que je veux dire, c'est que à Montréal, on m'avait dit que c'était pas beau. Comment est-ce que le monde ordinaire parlait? C'est ce qu'on dit de vous autres, nous autres, là, hein? tu viens de Montréal! Le problème, c'était de se rendre compte qu'on valait nous-mêmes la peine d'être vécus. L'île aux coudes, c'est une île de navigateurs. Il y avait 20-25 goélettes ici au chantier maritime au printemps. 40? Au chantier maritime. 40? 40 on avait 40 propriétaires de goélettes à l'île aux coudes dans ta plus belle époque. Ouais. 40 propriétaires. Il y a 15 ans? 20 ans. Il y a 20 ans, oui, il y a 20 ans passé. Bon, à ces bateaux-là, évidemment, vieillir des problèmes, mais il restait quelque chose, un patrimoine extraordinaire. Le patrimoine extraordinaire qui restait, c'était la connaissance qu'ils avaient de la mer, la connaissance qu'ils avaient de la construction des bateaux, de la forêt, parce qu'ils allaient chercher leur bois dans la forêt, de la navigation, de radar. Ils savaient tout. Ils savaient tout. Chaque homme savait tout. Il n'était pas spécialisé, il connaissait tout. Ça, personne ne s'est occupé de ça. C'est fini. Il n'y en a plus. Il en reste un bateau. C'est tous des goélettes de bois, tous des bateaux de bois. Et là, le transport. On n'a jamais essayé de faire un seul geste. Hein. C'est fini. Ils sont morts. C'est fini. Ils ont attendu que les bateaux se démolissent, puis là, ils dépensent des centaines et des millions de dollars pour faire du patrimoine, pour mettre la petite goélette, la restaurer, la refaire au complet. Ils n'ont pas donné d'argent pour en faire. Ils en donnent pour la refaire. Alors moi, je dis que c'est pas la peine de conserver le patrimoine d'un peuple qui n'en produit plus. Il faut produire du patrimoine, il faut pas le conserver. Il va se conserver tout seul. Mais on n'en produit plus, on se donne, on s'abandonne au commerce, à tout, parce que c'est le mépris. Et à l'intérieur de ça, on s'est vendu, je sais pas comment dire ça, il y a l'invasion économique, tu le sais, mais pour l'empêcher, il faut de l'orgueil. Et c'est ce que j'essaie de bâtir avec mes petits moyens, puis je ne reviens pas. J'ai perdu. La partie est perdue. C'est pas le savoir en soi. Moi, je veux absolument pas garder les vieux gestes. Je suis pour les techniques nouvelles, tout ce qu'on veut. Mais seulement, ce qui m'effraie, c'est que quand on devient désuet au niveau d'une technique, on n'est pas remplacé par nous-mêmes. Non. On est remplacé par l'eau. Et c'est là qu'est l'envahissement. Et on arrive à un peuple de boîte à lunch. Arrive à un peuple qui est à l'emploi. Et tous les navigateurs de l'île aux coudes qui continuent à naviguer sont devenus des fonctionnaires de la navigation. C'est ça. Bon, mais... alors, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui a un fleuve et il n'y a pas un seul propriétaire de bateau sur ce fleuve? C'est ma façon de définir la situation au Québec. C'est pas une question d'indépendance politique, il n'y a rien de tout ça. C'est la reprise de possession des maîtrises, où qu'elles soient. Mais pour ça, il faut une volonté de s'appartenir et avoir envie de soi. On peut voyager chez les danseurs, chez les forgerons, chez les marins, avec les mêmes trouvailles, les mêmes émerveillements et les mêmes surprises que de passer du désert à la banquise ou de passer de la mathématique à la littérature. Il y a trois voyages. Il y a le voyage dans l'espace, il y a le voyage dans le savoir et le voyage dans la société. Et je crois que Pierre a compris ça et qu'il tente un voyage dans l'espace, le temps et le corps social. Et en effet,
Il y a des gens qui, pendant un certain nombre de siècles, n'ont jamais eu droit à la parole. Et je suis sensible à ça parce que, dans ma famille, je suis le premier qui parle et le premier qui écrit, que depuis le néolithique, mes parents et mes ancêtres cultivent du blé ou cassent des cailloux, et qu'aucun d'eux n'a eu le loisir, ni la possibilité, ni le talent peut-être, de travailler sur le langage et travailler sur les cailloux. Et aller donner la parole à des gens qui ne l'ont pas depuis plusieurs siècles est une entreprise aussi extraordinaire que d'explorer le désert au 19e siècle quand on s'appelait Stanley ou Livingstone. Il y a là une découverte qui paraît... qui ne paraît pas si extraordinaire et qui n'est pas écrite dans les livres, mais qui est un voyage réel, un voyage long, et quelquefois beaucoup plus éblouissant que les deux premiers. J'ai beaucoup plus appris dans des endroits comme l'île aux Coudres que dans n'importe quel livre de n'importe quelle bibliothèque. Et là, Pierre Perrault a raison. Il a ouvert un secteur de bibliothèque inconnu. En fait, là, le cinéma, pour moi, c'était une affaire inconnue pour moi, ça. Hein? Je m'imaginais pas ce que c'était. On n'appelait pas ça faire du cinéma, on appelait ça dans nos termes. Nous autres, là, on faisait un film. Bon, le cinéma, on savait ce que c'était, on avait entendu dire le nom, mais il nous était pas utile à l'île aux Coudres. Hein? Bon, ça fait que... Mais ce qui me faisait plaisir, c'était de... En rendant service à Pierre pour son film, que nous, ça nous faisait découvrir des affaires qu'on n'aurait jamais imaginées. Aller faire un film en France, réétendre la pêche au marsouin après 50 ans qu'elle avait été abandonnée et que tout le monde croyait que c'était impossible qu'elle se ferait plus. Alors tout ça, là, c'était un succès pour nous autres. Mais c'est un succès pour tous ceux qui ont coopéré avec nous autres. Parce que j'ai pas tendu la pêche au marsouin tout seul. Beaucoup de monde y ont coopéré à tendre la pêche au marsouin puis à faire le film. Mais les étrangers nous ont traités de vedettes. Puis vedettes, c'est ce qu'on n'aime pas se faire dire ça parce qu'on ne l'est pas. On le croit qu'on ne l'est pas, nous autres. On arrive ici, là, change de sujet, là, continue. On arrive ici, à la boutique de forge, là où on a fait les lances. Puis qu'on a lu le livre de Jacques Cartier avec mon père, qu'on a discuté. Ici. Ça a beaucoup changé. Il y a 25 ans d'écoulé, là, hein? Ça a beaucoup changé. C'est un homme dans la controverse. C'était une boutique de forge, aujourd'hui, c'est une quincaillerie. Moi, j'ai pas... Ça m'a pris 4 ans à embarquer dans ça, moi. Pierre Perrault m'a toujours sollicité. Pierre Perrault est déjà venu me voir bien des fois, tous les ans, venait me voir. Parce que j'avais déjà fait des films avec Pierre Perrault avant. Des films qu'il ne parlait pas, par exemple, mais n'importe. On a fait La traversée d'hiver, on a fait différents films avant. Il était convaincu que ça allait marcher. Puis, d'après ce qu'on peut voir, je suis bien content. Il a été content lui aussi, il y a eu une réussite. Mais beaucoup de monde à Lille ne voulait pas croire que ça allait marcher. Hein? C'est dur de faire des films avec des colombes, faire des films réels, pas des films fictifs, ça. Faut prendre des gars quand ils passent. Puis quand tu n'es pas là, puis qu'ils sont passés, faut attendre pour les avoir. C'est ça. Fait que tu n'as pas assez, toi, pour apprécier que là, ils étaient là hier, mais aujourd'hui, ils sont pas. Faut les prendre quand ils passent. Je pense pas que j'ai pas eu de misère à t'avoir pour la pêche avant soin. Il a fallu que j'aille voir qui tu sais. Écoute-moi, t'as eu de la misère tant que j'ai pas eu dit oui. Mais quand j'ai eu dit oui, la misère t'a fini. Il hésitait, il trouvait que, je sais pas, il avait peur un peu du projet. T'as pas embarqué dessus? Oui, oui. Tout à coup, je suis allé voir quelqu'un, puis cette personne-là, que je nommerai pas... Racontez pourquoi je l'ai oublié, parce que je compte toujours à tout le monde. Cette personne-là était consentante. Alors, moi, je m'embarquais avec lui. Là, Léopold, quand il m'a vu entre les mains d'une telle personne, il a dit, il va y arriver quelque chose, ça ira pas bien.
Alors là, il m'a sauvé la vie. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai, absolument réel. Mais moi, j'ai toujours cru, là, il dit, il ment, là. Hein. J'ai toujours cru qu'il avait dit qu'il allait sacrifier dans les mains de ce gars-là pour me jouer un tour pour m'avoir. Au bout de ce grand bout de terre, de peine et de misère, dis-moi, Marie, pourquoi le silence s'agrandit? Est-ce parce qu'on vieillit? C'est ici, quand on a fait le film Le Règne du Jour, qu'ils sont venus inviter mon père pour venir à mon père et ma mère, qui étaient allés aux fraises avec moi et ma femme, dans le champ, pour aller faire un film au pays de ses ancêtres. Mon père et ma mère ont accepté de bonne volonté pour aller faire un tour en France au pays de leurs ancêtres. Mon père était bon de ses ancêtres. Oh, aller en France? C'est pas mal dur. Que t'en penses, Marie de Saint-Ouen? Je trouve que c'était un gros voyage. Et ça a donné un film qui s'est appelé Le Règne du Jour, j'aime beaucoup, avec Léopold. Et c'est là que Léopold est revenu en ne jurant plus que par la France. Parle-nous donc en français, j'ai un peu droit à un mois, tu n'as plus à parler en français. Les Français, t'as qu'une vue, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? En française, ouais. Je parlais en française tout le temps que j'étais là. T'es arrivé ici, tu es plus capable d'en dire un mot, dix mots de français. Ah, oh, je pense que tu veux pas, je pense que tu veux. Ah ouais, je suis le pour l'apprendre comme français. Par là, mon vieux, ça allait bien, je parlais en marseillaise, je parlais en breton, je parlais toutes ces langues-là. Après, elle est bon? Viens goûter, elle est bon! Ouais. D'arriver ici, tu es plus capable d'en dire un mot, dix mots. J'aime pas que tu parles comme de même. J'aime que tu parles comme les Canadiens français. Nos Canadiens, nous, chez nous. Nos Canadiens de chez nous? Mmh. Alors là. Notre langue. Mais je me sens, pour me faire comprendre, il faut que je parle un peu comme eux. Alors. Le Québec a été privé. Ça, il n'y a pas de doute. A été privé de la France. Il a fantasmé sur la France. D'ailleurs, Alexis, à certains moments, en France, était très déçu. Hein, très déçu. Mais il disait, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. La France est là. À voir, les gars. Nous autres, on ne verra pas ça au bout d'être vieux. De ce qu'on doit souhaiter, par exemple, c'est que la France revienne, comme on peut dire, à la place de l'Angleterre, reprendre le Canada. Les Canadiens français seront heureux sur la France, depuis ce que j'ai pu constater. Ouais. Que les Français et les Françaises, c'est pareil comme nos ancêtres. L'émotion, moi je l'ai eue à travers Alexis. Il accueillait toute cette France qu'on attend depuis 1760 d'une certaine façon, et avec raison, et qui n'est venue, qui n'est réapparue dans notre histoire que 100 ans plus tard, avec un bateau, le premier bateau qui apportait des livres français ici. Je t'ai déjà raconté sans doute qu'au séminaire de Québec, il y avait une grammaire latine sur un lutrin, et les étudiants n'avaient pas le droit de tourner les pages. Parce qu'ils n'avaient qu'une. Ce siècle-là, c'était difficile de faire l'école, d'amener les gens à l'université, d'échapper à l'ignorance. Et tu crois que c'était... Moi, il n'y avait pas un seul livre dans la maison chez nous. Il faudrait que je te dirais, comme j'ai dit, v'là 18 ans. Comme j'ai dit, il y a 18 ans, j'ai marché sur le bord du paradis, mon voyage de France. Alors, quand je suis arrivé de France pour venir rencontrer les gens des locaux qui me demandaient comment est-ce que j'avais trouvé ça, j'avais dit, un petit gars qui avait parti de l'île, j'étais un homme, j'avais 50 ans, mais qui n'avait jamais vu ce texte l'Europe, qui n'avait jamais payé. J'ai marché sur le bord du paradis, tellement que j'étais heureux puis que j'étais enthousiasmé. Le plus beau de ma vie, je l'ai passé en France. D'abord, je ne me suis pas occupée de la vie pendant 6 semaines de temps. Ça, c'était le plus beau bout de ma vie. C'est pas gênant. J'ai vécu au ciel. Parce que je ne me suis pas occupée de la vie, puis j'ai vécu millionnaire à part de ça. Les millionnaires, il me semble qu'ils sont heureux. Parce que moi, j'ai toujours été pauvre. Ne dirait-on pas qu'il n'est plus temps? Et le temps de tant d'enfance, où nous allions sous les branches, me revient comme un présent. Ça me plairait beaucoup que tu chantes ça un jour. Oui, avant de disparaître quand même.
Parce que le temps passe, et quand il passe à la vitesse où on le vit maintenant, c'est quelque chose d'effrayant, parce que quand tu penses que tu m'as donné ce texte, il y a... Tu fais une musique ? J'ai fait une musique. Ah bon ? J'ai commencé. Tu me fais un petit... ne serait-ce qu'un accord pour que je puisse... Ouais. Au bout de ce grand bout de terre, de peine et de misère, dis-moi Marie, pourquoi le silence grandit ? Est-ce parce qu'on vieillit ? Dirait-on pas qu'il n'est plus temps ? Le temps de tant d'enfance où nous allions sous les branches me revient comme un présent. Parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt. Parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt. Après ce beau bout de pommier, au bout de ce grand bout de mer, bout de chemin, bout de misère, dis-moi Marie, est-ce parce qu'on vieillit? Tout ce qui nous a surpris ne nous arrivera plus guère. Au bout de ce grand bout de mer, parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt. Parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt. J'ai régné sur les saisons, le temps nous dure à peine, étions-nous faits pour la chanson, avant d'avoir filé la laine. Dis-moi Marie, Marie de mes jardins, puisqu'on parle de la vie, puisque le temps petit à petit prend la place des murs, puisque l'amour ne vaut pas plus ni moins que ce qu'il dure. Dis-moi, Marie, Marie de toute la terre, dis-moi si tu te rappelles de la neige qui neige sur la neige. C'est pas moi qui ai écrit ça. Tous les mots qui sont là-dedans, plus ou moins, je les ai empruntés à Alexis, à son rapport avec la vie, à son rapport avec la mort, et à son rapport avec Marie. L'essayer, au fond, parce que cette Marie-là, que tu l'as connue? Ah, mais tu penses? Parce que cette Marie-là était, pour moi, un être fascinant, parce que très beau, et à la fois très beau, et à la fois très simple, et le bonhomme Alexis, je me suis... J'ai essayé de l'aimer à la place d'Alexis. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à la découvrir, énormément de temps. Et je l'ai découverte au fond un jour. Je la voyais avec Alexis, puis elle était là tout le temps, elle filait sa laine, et puis Alexis était là, bravache, qui comptait des histoires. Puis un jour, je suis allé chez Alexis. Il n'était pas là. Il était avec Marie. J'ai dit, on va parler de Noël. Et c'est tellement beau ce qu'il me racontait. Et puis progressivement, j'ai essayé le plus possible de m'approcher d'elle. Et jusqu'à sa mort, tiens, il faut que je raconte cette petite histoire que je trouve très belle. J'allais la voir, puis elle me disait toujours des merveilles. Puis un jour, je suis allé la voir, entre autres, et elle me dit... Et je voyais l'image du film où elle s'en vient de l'église, avec la neige qui tombe. Elle dit, je vais encore... Bon Dieu m'a tout donné, m'a tout enlevé. Je croyais beaucoup au bon Dieu, bien sûr. Et puis, elle va dire, voyez plus clair, etc. Elle entendait dur. Bon. Sauf qu'elle oubliait une chose, c'est qu'elle n'avait pas perdu sa lucidité à aucun moment. Puis elle dit, je vais à l'église, puis quand je reviens, il faut ma canne. Parce que j'ai de la difficulté à marcher dans le chemin. Parce qu'elle dit, à mon âge, on vit plus. On dévie. Oui, c'est peut-être ce qui m'est arrivé de plus beau dans toutes mes aventures, mes voyages sur la côte, c'est d'avoir senti vraiment que Marie m'aimait. C'était très, très, très émouvant parce qu'il n'y avait plus. Il était fragile, c'était un oiseau. Puis quand j'arrivais, elle se levait vite, elle était rapide, elle n'était pas pressée. Puis je l'embrassais, là. Elle venait m'embrasser. Puis c'était tellement petit, tellement fragile. Et puis j'avais le sentiment que je n'avais pas le droit de ne pas aller la voir. Je savais qu'il fallait que j'aille la voir. Et sans d'avoir réussi à me faire aimer comme je l'aimais, de cette femme-là, je trouve ça vraiment... C'est vraiment émouvant, c'est vraiment extraordinaire.
là, ce que tu lui fais dire à Marie, enfin ce que tu dis sur Marie, c'est bien Marie, je ne sais plus où est le passage, mais Marie la terre. De mes jardins, Marie de, voilà, exactement. De mon pays, donc, ça, quand tu parles d'elle et tu l'as. Tout à l'heure, tu as dit cette chanson, je l'ai écrite parce que, en fait, je voulais l'aimer à la place de. Tu as dit quelque chose comme ça, je voulais l'aimer à la place d'Alexis, tu vois. Mais en utilisant les mots d'Alexis, mais mm-hmm. C'est ça, c'est, je voulais l'aimer à la place d'Alexis. Et c'est vraiment une chanson. C'est la plus belle chanson d'amour que je connaisse. Mm-hmm. Peut-être pas tant que ça, mais c'est vraiment une chanson d'amour pour Marie. Enfin, et une chanson un d'amour, vraiment, c'est ça. Je ne connais pas d'autres mots pour traduire mon sentiment à l'égard de cette femme-là. Et d'admiration. Ah, c'est certainement, c'est certainement que c'est un très beau personnage. Mais en fait, on est obligé de constater, je ne suis pas la seule à le faire, que l'absence de femme, disons, dans ton œuvre filmique. Je ne me suis jamais posé la question de faire un film avec des femmes ou sans femmes, avec des hommes d'accord, ou avec ceci non, ou avec cela. Et c'est peut-être à cause de moi. Moi, je suis très physique. Hein. Bon, ben, je tends une pêche à marsouin. Et la première femme qui est venue dans la pêche au marsouin, c'est la mienne. Il n'y avait pas de femme dans la pêche au marsouin, je ne peux pas filmer des femmes. Il fallait filmer la tienne, peut-être. Ben non, mais c'était après. Et puis, mais... à Lille, entre autres, quand on filmait, les femmes se sauvaient. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me faisait de la peine, moi, le premier, mais je ne pouvais pas les forcer, je ne pouvais pas leur tordre le cou. J'ai cherché à gauche et à droite, mais je n'ai pas cherché pour dire qu'il faut absolument que j'ai une femme dans ce film-là. Non, ça ne m'intéresse pas, ce genre de démarche. Et dans puisqu'on parlait de la poésie tout à l'heure, dans la poésie, il y a la chanson de Marie, mais il y a beaucoup de femmes dans la poésie. Et dans En désespoir de cause, en particulier le film, le poème le plus revendicateur, je dis qu'une femme... Je réclame une femme, oui, je réclame vrai. Qu'une femme. Je réclame Jeanne d'Arc, au fond. Enfin, je veux dire, bon, la conversation sur le sujet, elle est sans fin, parce qu'en fait, bon, toi, tu donnes des explications logiques, cohérentes, avec un enchaînement qui te satisfait, mais en fait, ce que tu en dis, à la limite, c'est pas très satisfaisant. Excuse-moi. C'est pas très satisfaisant parce que tu es en position de te défendre. Tu veux argumenter, tu veux te défendre. L'absence de femme, c'est compensé par la qualité des rares femmes qui sont dans ces films. Une femme, c'est beau, ça. Ouais. Dans le lit. Parce que tu sais qu'une femme déshabillée, c'est la bête la plus laide que tu peux voir sur la terre. Oui, c'est pas encore d'âme. C'est-tu vrai? Pas encore d'âme. As-tu déjà encore de ça? Ben, moi, c'est pas encore d'âme. Ah ben, c'est la seule chose qu'on peut pas envisager. On peut pas regarder ça dans longtemps. Et tu peux pas regarder ça longtemps, parce que c'est une affaire incompréhensible. Tu peux pas comprendre ta verre là. Il y a toujours un bout, moi. C'est gros de ci, gros de là, gros de tu peux pas comprendre ça. Ça fait que tu jettes un coup d'œil, bon. Ce qu'il y a à raconter, ce n'est pas forcément le voyage qui a été prévu, parce que lui, il a été prévu, mais le fait qu'on s'est cassé la figure à tel endroit, mais le fait que le coucher du soleil a été particulièrement superbe, mais le fait que, au moment de la mi-carême, nous ne savons pas ce qui va se passer. Je suis mute invité à soir à la salle de l'Ange d'Or. On projette le film La Suite du Monde. Il va y avoir Pierre Perrault. Lui, il n'a jamais filmé Pierre Perrault, mais cette fois-là, il est filmé, lui. Il n'y a pas de mi-carême qui vient. Non. Non. Par contre, tu n'as vu des mi-carême, toi? Ben oui, ils sont venus ici. Hein? Si on a eu du foie de l'or à mourir. Je peux t'embrasser à ma partie? À soir, à soir, à soir. Non. Hein? On veut pas que ça se dise, ça. Pierre Perrault ne sait pas qu'il va y avoir des mi-carèmes, lui. Et puis les mi-carèmes vont lui tomber sur le dos. Pauvre Joe. Bon, ben, t'as-tu bien compris, là? C'est le plus beau film. Ça se peut. Vous savez, La Suite du Monde, il a été mis en nomination à Toronto, cette année. Je l'ai vu à télévision. Il a été mis en nomination à Toronto, cette année, La Suite du Monde. Il y avait les meilleurs acteurs de l'île aux poules. Des comédiens là-dessus, c'est des comédiens. Faire un film pour les enfants. Il y en a encore. Faut oublier, il y a à moitié qu'on le dit dans ça, vous êtes entendu. Ça prend des astineux, ça prend des contraires. Il faut faire oublier la caméra. Ouais. Hein? C'est ça que c'est le principal.
Oui, parce qu'il y a plusieurs qui nous l'ont dit que ce film-là a été mis en domination. S'il avait coûté de l'argent, ce succès qu'a rapporté, le titre à Toronto, c'est Petit Radio-Canada, qui nous annonce tous les jours le petit film de Radio-Canada, il avait coûté 1 million. Nous autres, il a coûté quoi? Quelques cigarettes, puis tout à fait. Cyril, maman. Des sueurs, maman. On va travailler pour ce film-là. C'est un de nos plus beaux souvenirs qu'on n'oubliera pas jamais. Impossible d'oublier ça. Quand papa arrivait à l'écran, les rires arrivaient. Mais ça, c'est parfaitement imprévu, parce qu'on croit que c'est comme ça, un grimoire et de la grimace pour la représentation. Pas du tout. En fait, c'est pas seulement l'ami Carême qui arrive là, au beau milieu de la soirée, mais l'improbable qui arrive au moment où on s'y attend le moins. Vous savez quel est le métier d'un écrivain? C'est très simple. Il se raconte tous les matins des histoires qu'il ignorait la veille. C'est pour ça que ce métier est admirable, adorable. C'est qu'on ne sait pas, quand on se réveille le matin, quelle bonne histoire il va vous tomber sur le papier blanc. Oui. Bon, mais quand on part en voyage, c'est un peu la même chose. Et bon, l'ami Carême, je le raconterai comme ça, comme un événement érotique pour vieillard. N'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Bon, il serait peut-être pas content que je le raconte comme ça, ou je ne serais peut-être pas content demain de la raconter de cette façon, mais l'essentiel, c'est l'imprévisible, l'improbable. Faire naître du hasard dans une vie qui en manque. Quelle est la curieuse entreprise qui nous réunit tous les trois, par exemple? Ça. Hein? Qu'est-ce qu'on cherche? Une écriture. Ouais. On cherche à vaincre un silence. Et cette écriture-là cherche, pour moi, elle cherche à aller au-delà des apparences. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire le fleuve d'ici, en regardant l'île aux coudes qui est en bas. Même si c'est très beau, ça ne dit rien. Ça peut être n'importe où. Le fleuve, pour moi, n'existe que par les hommes. Que par les situations, que par une pêche, par une écriture, par une possession.
travail que Pierre a fait, qui est un travail d'inventer notre mémoire. Il se coltère continuellement à une merveilleuse faculté d'oubli, à des espèces d'évacuation par en dessous. Tout à coup, on s'aperçoit que c'est pas très grave, parce qu'il y a très peu d'endroits dans le monde dont on peut dire que l'évolution a été aussi rapide et aussi profonde qu'ici. Mais il y a énormément de choses qui sont faites ici, bon, qui sont imitations, qui sont... qui sont réactions à telle chose. Je ne suis pas complètement sûr que l'imitation soit toujours un obstacle. Regarde, par exemple, au XVIIe siècle français, qui a été le meilleur et de très loin au point de vue de l'art, eh bien, ils se mettaient à imiter sans arrêt des choses qui venaient d'ailleurs. Mais ils ont fait quelque chose qui était à eux, quand même. Non, Michel. Il n'y a pas de littérature française. Il n'y a pas de français dans la littérature française. Il n'y a que des Grecs et des Romains. C'est bien que tu n'es pas habitué à penser. Il n'y en a pas. Moi, je cherche la France dans la littérature française. Il y en a. Mais quand tu prends le 17e siècle, regarde le château de Versailles. Bon, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a de français dans le château? Rien. La France a été méprisée par les rois. Moi, je voudrais qu'il y ait un Québec. Et on ne se soupçonnait même pas. Il y a toujours un mélange extraordinaire dans une culture entre ce qui vient de l'endroit et ce qui a été adapté d'ailleurs. Une culture, c'est toujours ce mélange-là. C'est très, très rare qu'une culture vienne exclusivement de l'endroit où elle est. Bien, pour l'après-midi, il y a d'abord prévu une visite du château avec nos conférencières qui sont dans notre car. Et de toute façon, je vous conseille d'aller à pied avec les groupes jusqu'au Grand Trianon et on repartira là-bas de 5 heures. Vous savez, c'est curieux, hein? C'est le seul endroit où je me sens pas en France. Et pourtant, j'y reviens. Je suis un peu fasciné. C'est comme si j'avais une lutte à finir avec Louis XIV. On va vous y aider. Mais moi, là, ils ont commencé à nous montrer des châteaux. Écoutez bien, on s'est promené là sur des dessins d'affaires immenses. Peut-être bien que ça ne devrait pas être ma place pantoute, la manière que vous résonnez des châteaux comme ça. Non. Je comprends rien. Moi, me mirer dans ce miroir-là, d'après moi, je trouve ça ridicule. Parce que celui qui se mire là-dedans, il n'avait pas la même pensée que nous autres. J'essaie d'exprimer, de m'exprimer à travers mes sentiments, mon sentiment d'être étranger, d'être étranger ici dans le palais de Versailles et d'être étranger en littérature française. Oui. Et pourtant, je suis né en littérature française. Oui. J'ai fait mes études classiques comme n'importe qui ici. Et pour dire mon Québec, je me cherche des parentés en écriture. Et je trouve Jacques Cartier. L'écriture s'est mise à parler latin, à parler grec. Et ce qui fait que dans la langue, vous avez des mots qui restent étrangers à ma mère. Si je lui parle d'un ornithologue ou d'un otorhino-laryngologiste, elle ne comprend pas. C'est pas au XVIIe siècle qu'on le doit, ça. Non, c'est une conséquence. Je ne crois pas. Le XVIIe siècle a commencé à parler... Les personnages, le nom des personnages dans les pièces de théâtre, ça a rien à voir avec les Français. C'est tous des noms de personnages grecs. Ils sont en jupette athénienne, ils se déguisent en... Mais ça, c'était l'affaire de la bourgeoisie du 19e siècle, ça. C'est pas l'affaire du 17e. Moi, je dis seulement que ça a commencé là et que ça n'a pas arrêté depuis et que j'atteins des images de la France. Apollon, c'est Apollon, là? Oui, bien sûr. Comment vous voulez que je me sente à l'aise avec Apollon, moi? Eh bien, comment pas? Ça fait? Vous êtes poète. Tout art fabrique des images et votre poésie fabrique des images. Vous lui tournez le dos, peut-être? Oh oui, de préférence. Et les chevaux, ils vous disent rien? C'est des chevaux frisés. Non. Frisez vous-même. Regardez-les avec vos yeux et pas avec vos préjugés. Ah, à part ça, moi, je ne peux plus parler maintenant. Là, je veux bien, mais la vie, mon Dieu. Et c'est fou, je suis fou. Le cinéma, je suis tout seul. J'aime la réalité. J'aime les hommes vivants. Et ça me paraît quand même contredire jusqu'à un certain point la fiction et l'embellissement. Et ce que je fasse, c'est viscéral. Toi-même, Pierre Perrault, tu ne fais pas de gestes, tu ne pêches pas les marsouins, tu fais des images. Comment tu te sors de ce problème? Ah ben,
C'est-à-dire... Ah, ben non, pour poser le problème du cinéma, c'était méchant. Tu fais du cinéma. Alors, c'est méchant c'est parce pas... que c'est, j'ai un terrible effort à faire. Oui, maintenant. C'est ça. Parce que je suis obligé de me justifier d'un c'est... équipement. C'est pas le problème de Pierre Perrault, c'est le mien comme celui de Michel. Ah, oui, monsieur, c'est-à-dire, monsieur. Bon, on veut écrire la réalité, mais lorsque je décris, moi aussi, dans un texte, le fleuve ou les gestes du fleuve, je reste quand même un écrivain, et toi, tu restes un cinéaste. C'est-à-dire que quand tu dis je me fiche des images, tu fais quand même que des images. Ce n'est pas toi qui pêches le marsouin, ce n'est pas toi qui fais la traverse d'hiver de l'île aux coudres sur la côte et ainsi de suite. Mais on le voit, t'as vu ? Ça s'appelle déranger beaucoup de monde. C'est tellement beau, hein ? Hein, il y avait, parce qu'il y avait des lignes partout. Quand tu as levé, là, c'était vraiment une page pleine d'écriture. Je crois que son inquiétude, est, qu'au début on comprend mal, mais qu'à la fin on comprend bien, consiste à donner la parole non seulement aux Québécois, mais à faire parler le Québec comme tel. Et nous, Français, nous sommes un peu étonnés d'un projet pareil parce que ça fait très longtemps que la France parle. Mais nous ne sommes plus étonnés d'un projet pareil parce que la France se met à ne plus parler. Elle se met à ne plus parler pour des raisons très simples, c'est qu'elle est en train de perdre sa langue. Pendant l'occupation, il y avait moins de mots allemands sur les rues de Paris qu'il n'y a maintenant de mots anglais sur les mêmes murs. L'espèce de mise en péril de notre culture est assez profonde. Nos inquiétudes se mettent tout d'un coup à ressembler aux vôtres. Je suis un peu inquiet des fois, j'avoue. C'est une espèce d'entreprise. J'ai donné 20 ans, 25 ans de ma vie à faire ça. Et qui m'a l'air d'arriver à un cul-de-sac. C'est une espèce d'entreprise. J'ai donné 20 ans, 25 ans de ma vie à faire ça. Et qui m'a l'air d'arriver à un cul-de-sac. C'est pas le rêve, les locaudres, c'est... C'est un témoignage. Et c'est sûr que l'homme s'invente et devient ce qu'il s'invente aussi, mais ça s'inscrit plutôt dans un projet que dans un rêve. Alors, ce qui compte, c'est pas de créer un pays imaginaire, c'est de créer l'imaginaire d'un pays. Je ne crois pas que le cinéma de Pierre, celui de Léo Coudre, mais l'ensemble de son cinéma, crée un pays imaginaire. Au contraire, il donne... un imaginaire, l'imaginaire perdu d'un pays, il le redonne aux Québécois. Il le redonne dans les formes où il l'a trouvé en 1963, en 1965 avec les voitures d'eau, etc., à travers ses films. Il redonne cet imaginaire qui était aliéné. Matt, bien, je veux pas avoir le succès de Dallas, je m'en fous. Je veux pas, absolument pas. Je suis pas intéressé à ce que mon film passe en France. Je suis pas intéressé à ce que mes films passent aux États-Unis. Je suis intéressé à ce qui concerne Québec. C'est ça que je voudrais. Et je sens que les gens sont un petit peu concernés, mais sont tellement envahis. Oui, c'est ça. Leur esprit est occupé. Les hommes, il y a un mot terrible qui est utilisé pour parler de ça, sont dépaysés. Oui. Vraiment dépaysés. Et dans notre pays, être dépaysé, c'est grave. Je viens d'essayer de faire une aventure, d'avoir une aventure sur le fleuve, d'écrire le fleuve Saint-Laurent. J'habite le fleuve Saint-Laurent depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je le fréquente. Depuis 25 ans, j'en parle. Depuis 25 ans, je peux en parler. Et cette année, j'ai traversé ce fleuve pour le globaliser, parce que je l'avais dit par petits morceaux. Et je m'aperçois que je n'ai plus rien à dire du fleuve Saint-Laurent parce que nous n'occupons plus que l'espace de l'assurance chômage. Il n'y a plus d'actes, nous ne posons plus d'actes sur ce fleuve. Quand j'ai fait Pour la suite du monde, il y avait une écriture, on attendait des pêches sur la mer, on prenait des dauphins blancs, on pouvait dire le fleuve avec des gestes, des combats et des mots. On n'a plus de mots, on n'a plus de langue, parce que la langue non plus n'est pas un espace en soi.
La langue doit être occupée par des actes, par des gestes, par des maîtrises. Et je dis tout simplement, c'est pas la peine de faire l'indépendance d'un peuple de buveurs de bière qui est incapable de brasser sa bière lui-même. Il ne s'agit pas de faire un paradis, mais il s'agit peut-être de faire, sinon pour nous, en tout cas certainement de plus en plus pour nos enfants, un pays avec le Québec où on pourra se sentir chez nous. Après tout, c'est pas la fin du monde. Évidemment, si le projet n'a pas abouti, ce n'est pas la faute du cinéma de Pierre Perrault, ni de la vision que d'autres peuvent en avoir. Le projet est toujours là, à mon avis. C'est l'avenir du projet qu'on a bloqué. Le référendum a été un frein. Bon, le Canada Act, ça a été un verrou. Il s'agit de reformuler le projet, donc le passage vers l'avenir. Voilà qu'on retrouve toujours l'actualité de la démarche de Pierre, le passage. Et je crois que tous les artistes au monde cherchent le passage. Et puis, je suis pas certain de... Je suis pas certain de pas m'être trompé. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, tu sais, là-dessus. Je suis content, bon. C'est un beau souvenir pour la suite du monde. Mais si c'est l'album de famille, moi, c'est tout. C'était pas la peine de dépenser autant d'argent et d'énergie. Parce que ça coûte cher, faire du cinéma, c'est ça qui était un peu angoissant. Connaissez-vous l'oiseau névrose? C'est ça. Savez-vous ce qu'on fait avec l'oiseau névrose? On le mange avec des patates pilées comme une dinde de Noël. Ouais. C'est bien ça. Ouais, l'oiseau névrose est une moutarde parmi d'autres. Déceler une névrose dans mon... Ben non. J'ai un instrument, Michel, là-dessus. Puis je le mets en question. C'est pas la peine de te poser des problèmes. Il n'y a pas de doute qu'un jour, et ce jour est venu, qu'on préférera de très loin le film d'hier soir que tous les films qui ont été présentés à Cannes la même année. Bon, c'est fait. Ne doute plus, continue. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire avant de partir. C'est peut-être... On essaie toujours de se justifier et c'est toujours contre les autres. Au fond, je suis pas attaqué, j'existe pas. C'est pas très grave. J'ai quand même une espèce de démarche. Puis là, tout à coup, je me dis, j'ai fait ça. Est-ce que j'ai tort ou raison? J'essaie de justifier mon aventure et de la comprendre en même temps. Et de comprendre à la fois mon émerveillement pour la parole de l'homme et l'indifférence des hommes à l'égard de cette parole-là. Et l'indifférence des hommes à l'égard de cette parole.